Gedex. C'est un mot latin qui signifie juge ou justicier. Je sais, merci. Ce juge m'a plutôt l'air d'un maître chanteur. Je croyais bien pourtant qu'on n'oserait plus me faire chanter. Je ne comprends pas à quoi ce Judex veut en venir. Il ne demande rien pour lui, et d'habitude, ces individus... Allons, Valière, ne soyez pas naïf. Si je cède, si je montre que j'ai peur, c'est là que le vrai chantage va commencer. Bon, enfin, nous verrons bien. Passons aux choses sérieuses. La banque a téléphoné les cours de fermeture de New York. Oui, monsieur, comme vous l'avez prévu. Entrez. Monsieur, il y a là un monsieur Coquentin qui demande à être reçu par monsieur. Il dit qu'il a rendez-vous. C'est juste, faites entrer. Il tombe bien. Monsieur Coquentin. Monsieur, je me présente, Alfred Coquentin, détective privé, directeur de l'agence Celeritas, successeur de mon oncle, feu monsieur Régaudet, titulaire des Palmes académiques, pas moi, lui. Merci, monsieur. Monsieur Valière, mon secrétaire. Monsieur Coquentin, j'ai déjà eu recours en de semblables circonstances au service de votre prédécesseur et j'ai eu à m'en féliciter. J'espère qu'il en sera de même avec vous. Ah, monsieur, soyez assuré que... Voici de quoi il s'agit. Demain, nous fêterons en même temps le 20e anniversaire de la banque Favreau et les fiançailles de ma fille Jacqueline avec le vicomte Amaury de la Rochefontaine. Il y aura naturellement beaucoup de monde au château et je compte sur vous pour éviter que des indélicatesses soient commises par des domestiques engagés pour les circonstances, ou même par certaines personnes, enfin des relations d'affaires, que je n'ai pu me dispenser d'inviter. Naturellement, vous passerez pour un de nos invités. Monsieur Valière vous expliquera ça en détail, et vous lui ferez part de vos conditions. Je vais vous présenter tout de suite à ma fille, et comme ça, vous pourrez avoir beaucoup d'effranges dans la maison. Tenez, pendant que vous y êtes, tâchez donc de découvrir l'auteur de cette lettre. C'est sans doute une mauvaise farce de domestique. Valière, venez par ici. Banquier Favreau, je vous donne l'ordre pour expier vos crimes de verser la moitié de votre fortune à vos victimes. Vous avez jusqu'à demain soir 6 heures pour vous exécuter. Signé Judex. Judex. Pour les Rio Pinto, téléphoner à Marco pour qu'il liquide toutes ses disponibilités. Et que l'on sache bien que c'est la banque Favreau qui vend. Dans 3 jours, nous rachetons tout pour une bouchée de pain. Je crois que je vais m'offrir un assez joli cadeau d'anniversaire. Venez, mon cher Coquentin, allons respirer le printemps. Pas le temps de faire la charité. Ça ne demande pas la charité. Tu ne me reconnais pas, hein? 20 ans de bagne, ça vous change un homme. Je m'appelle Pierre Kerjean. N'ai jamais entendu parler de vous. Tu n'étais pas si fier pendant ton procès. Tu m'avais promis de me rendre riche si je me taisais. Et je me suis laissé condamner à ta place. Tu m'avais promis de veiller sur ma famille pendant que je ferais mon temps. Et ma femme est morte dans la misère et mon fils a disparu. Sans que tu fasses un geste. Eh bien maintenant, Favreau, tu vas m'aider à retrouver mon fils, tu entends? Ou sinon, tant pis pour toi, je peux encore parler. Cet homme est fou. Donnez-lui 40 sous et chassez-le. Allons, venez, mon brave. Ma chère Jacqueline, je te présente Monsieur Coquentin, qui est notre invité pour la fête de demain. Monsieur Coquentin, je vous présente Madame Aubry, ma fille.
Madame, Monsieur Favreau m'a appris la nouvelle de vos fiançailles. Je suis heureux d'être l'un des premiers à vous féliciter. Merci, monsieur. Tiens, voilà ma petite fille, Alice. Dis bonjour, monsieur, mon chéri. Bonjour, monsieur. Bonjour, mademoiselle. Vous savez, je connais une petite fille qui s'appelle Alice. Comme moi. Oui. Et un jour, elle était dans son jardin. Et qu'est-ce qu'elle voit passer? Un lapin vêtu d'un bel habit bleu. Le lapin s'arrête devant Alice sans la voir. Il sort sa montre et il dit... Il avait une montre, le lapin. Oui, en or, avec une chaîne. Comme grand-père. Excusez-moi, madame. Je viens chercher mademoiselle Alice pour sa leçon. Monsieur Coquentin, je vous présente mademoiselle Verdier, l'institutrice de ma petite fille. Mademoiselle. Monsieur. Va avec mademoiselle Marie et sois bien sage. Vous montrerez sa chambre à ce monsieur qui est avec madame. Bien, monsieur. Je suis allé me renseigner ce matin, de bonne heure selon vos ordres. Ce vagabond est mort cette nuit sans avoir repris connaissance. À l'hôpital où des passants qu'il avait trouvés sur la route l'ont transporté. Et personne ne vous soupçonne. Banquier Favreau, non content de déshonorer les gens, il faut encore que vous les assassiniez. Si ce soir, avant minuit, vous n'avez pas exécuté mes ordres, vous serez impitoyablement châtié. Judex. Ah, vous avez assassiné quelqu'un? Comment? Mais, dame, cette lettre. Monsieur Coquentin, je vous rappelle que vous n'êtes pas ici pour prendre des vacances, ni pour raconter à ma petite fille des histoires de lapins qui regardent l'heure. Mais permettez, je... Taisez-vous, je vous donne jusqu'à ce soir pour découvrir l'auteur de ces lettres. Au revoir, monsieur. Bon. C'est son père qui l'oblige à se remarier. Elle était pourtant assez malheureuse la première fois. Oh, il l'avait mariée trop jeune, la pauvre petite. Père Favreau, il doit trouver qu'un gendre qui s'appelle De La Rochefontaine, ça fait chier. Et puis le fiancé, ça doit l'arranger. Il paraît qu'il est complètement fauché. Il doit être pressé de venir coucher dans ce lit-là, le Rochefontaine. Non, monsieur Favreau. Je ne serai jamais votre maîtresse.
Marie, j'ai tant besoin de vous. Voulez-vous être ma femme? Je vous épouse aussitôt après le mariage de Jacqueline. Toute ma fortune sera à vous. Je ne suis pas de celle qu'on achète. Bien trop lentement, dit le merlan au bigorneau. Et il y a derrière moi un marsouin qui me marche sur le dos. Prenez donc votre homard par le bras et entrez dans la danse. Prenez donc votre homard par le bras, venez danser avec moi. Et Favreau, quelle tête a-t-il bien pu se faire? Une tête de vautour. Mes chers amis, je voudrais vous annoncer une grande et heureuse nouvelle. Nous ne fêtons pas seulement ce soir le couronnement de 20 années d'efforts et de dévouement de toutes sortes, grâce auquel la banque Favreau a pu prospérer et étendre son activité à la plupart des branches de la grande industrie. Nous fêtons aussi les fiançailles de ma petite Jacqueline avec le vicomte Amaury de la Rochefontaine. C'est avec une joie d'autant plus grande
C'est avec toute la joie que j'éprouve en ce moment que... Je suis médecin, laissez-moi passer. Il est mort. Monsieur Favreau est mort à l'heure exacte indiquée dans la deuxième lettre de ce judex. La coïncidence est extrêmement troublante. Personnellement, je crois qu'il n'y a là qu'une coïncidence et c'est pourquoi je n'en avais pas parlé. J'ai cru de mon devoir de vous avertir. Madame Aubry décidera elle-même de la conduite à tenir. Madame. Monsieur Coquentin... Je pense qu'il est inutile de vous recommander la plus grande discrétion. Je crois d'ailleurs que vous êtes lié par le secret professionnel. Comptez sur moi, monsieur. Il faut avertir la police. Non, madame, c'est impossible. Pourquoi? Madame, ces lettres disent la vérité. Donnez-moi une preuve. Je ne suis resté au service de votre père que pour essayer de réparer, dans la mesure de mes faibles moyens, des fautes qu'il n'était pas en mon pouvoir d'empêcher. La fortune du banquier Favreau, comme bien d'autres, trouve ses origines dans le scandale de Panama. Votre père était à l'époque simple commis d'agent de change. Et le hasard le rendit possesseur. Je préfère ne pas vous dire comment. De documents très compromettants pour certains hauts personnages de la politique et de la finance. Et grâce à ces documents, il n'eut aucune peine à obtenir les fonds et les appuis qui lui permirent de réaliser ses premières affaires importantes. Déjà en 1882, lors du krach de l'Union générale...
Il était temps. Il y en a pour 3 jours. Suivez à la lettre les instructions du docteur. Et que votre surveillance ne se relâche pas un seul instant. Jacqueline, je pense que monsieur a raison. N'insistez pas, messieurs, j'ai bien réfléchi. Je renonce à l'héritage de mon père. Tout ce que je demande, c'est que la part de ma fille lui soit réservée jusqu'à sa majorité. Je vous donne carte blanche, maître. Et je vous remercie. Mes hommages, madame. Pour quelle raison? Puisque cette question d'héritage semble tellement vous préoccuper, je crois honnête de vous rendre votre parole. Vous ferez ce que vous dicteront vos sentiments. Dans ce cas, permettez-moi de reprendre ma liberté. Les bagages de monsieur sont chargés dans le fiacre qui est avancé. Monsieur pourra partir quand il le désirera. Merci, Fernand. Au revoir. Au revoir, monsieur. Madame, je viens prendre congé de vous. Au revoir, Vallière. Merci, merci pour tout. Vous savez que je vous suis très dévouée. N'hésitez pas à m'appeler en cas de besoin. Merci, Vallière. Vous êtes mon seul ami. Je vais me sentir bien seule. Ma petite Alice n'est partie que depuis hier. Et déjà, elle me manque. Je m'inquiète pour elle. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Marie-Jeanne est une excellente personne. Elle adore la petite. Et puis, Loisy n'est pas si loin. Je sais bien. Je suppose que toutes les mères sont comme moi. Bien, au revoir. Venez voir de temps en temps, cela me fera plaisir. Je vous écrirai pour vous donner ma nouvelle adresse. Au revoir, madame. Thank you.
Tiens, la veuve Favreau. Je t'en prie. C'est pas drôle. Si tu savais l'impression que ça m'a fait de quitter le château avec mes gages dans mon sac, comme une domestique, alors que j'ai failli être la patronne. Ne te fâche pas, je blague. Si tu crois que ça m'amuse aussi, il aurait pu t'épouser. Et claquer après. Barre les pattes. C'est pas le moment. Ménage-toi pour cette nuit. Qu'est-ce qu'on fait cette nuit? On retourne au château, chez Favreau. Quoi? Écoute. Il y a dans son bureau des documents qui valent de l'or. Un coup comme on n'en a jamais vu. Thank you.
Réponds normalement. Sinon, tant pis pour toi. Jacqueline, au secours! Ma petite fille, au secours! Jacqueline, réponds-moi! Jacqueline! Jacqueline! Marie Verdier. Colline chloroforme. On va l'embarquer. Comme ça, on aura tout le temps pour la faire parler. Ma trousse. Quelqu'un vous menace. Rendez la liberté à ces pigeons. J'accourrai à votre aide. Je veille. Jutex. Bien la voix de Favreau au téléphone, j'en suis sûre. C'était peut-être une blague. Et les chiens. Et les lettres de menace que Favreau a reçues de Judex. C'est des blagues, ça? Si Favreau était vivant, prisonnier de Judex, ça vaudrait le coup de le retrouver, non? Mon mariage, ça t'arrangerait bien aussi. Tu y penses? Comme Favreau t'épousera, en supposant qu'on le retrouve, quand Jacqueline lui racontera le coup que tu lui as fait la nuit dernière. Celle-là, elle m'embêtera pas longtemps. Dès que je saurai à quoi m'en tenir sur le sort de son père, et ça va pas traîner. Qu'est-ce que tu veux faire? Il me faut deux types costauds.
va prévenir Pierrot et Léon. Cette nuit, on ira tous les quatre se recueillir sur la tombe de Favreau. Favreau. Où est-il? Je veux lui parler. Plus tard, vous êtes encore trop faible. Vous l'avez échappé belle. Pas grâce à lui. Si vous n'aviez pas ramassé à temps, peut-être sait-il quelque chose au sujet de mon fils. Je pensais à ça aussi, en le retirant de sa tombe. Je m'en doutais. Favreau s'est envolé. Maintenant, la première chose à faire, c'est de retrouver Jacqueline. Comment feras-tu? Elle a confié sa gosse à la garde de sa nourrice. J'aurai l'adresse par la nourrice. Télégramme pour vous. Merci, madame. Madame Vivier. Ma petite fille vient d'avoir un grave accident. C'est la nourrice qui me prévient, je pars. Ce n'est peut-être pas bien grave.
Je m'occuperai de la petite. La voilà. Elle a mordu au télégramme. Et maintenant, Pierrot, à toi de jouer. T'as bien compris. Chambre 20, troisième étage. Tu vas rafler tous les papiers où tu verras le nom de Favreau et tous ceux qui parlent de banque ou d'argent. Nous autres, on prend Morales et on va faire un tour à la campagne. Entendu. Si je rencontre quelqu'un, je dirais que je viens pour la plomberie. Pigeon vient d'arriver. Guergent va vous conduire à Loisy. Là, vous vous renseignerez pour savoir s'il n'est rien arrivé chez Marie-Jeanne Bontemps, qui a en pension une petite fille nommée Alice. Qu'on prépare l'autre voiture pour moi. Je passerai par Paris. Bien, monsieur. Vous ne sentez pas bien, madame? Appuyez-vous sur moi. Cette dame semble très mal, ma sœur. Voulez-vous accepter ma voiture? Merci, monsieur. Nous allons la transporter à la clinique où je travaille. Pauvre femme, elle a l'air vraiment mal. Ces dames de la ville, ça n'a pas de santé. C'est bien vrai. Elle coule pas. On aura dû mettre une pierre. Faudrait voir où elle va. Voilier à l'horizon! Oh, il y a quelqu'un dans la flotte. Chercher du secours!
elle était morte au moins. Suis-les. Et tâche de savoir. Est-elle morte? Non, elle est évanouie. Non. Emmène-la jouer plus loin, c'est pas un spectacle pour vous. Téléphonez immédiatement à Marville pour qu'on envoie une ambulance. J'y vais. Qu'est-ce qui se passe? Saloperie de bagnole. Et je ne sais pas, une panne. Dites-moi, mon brave, avez-vous vu passer une ambulance venant de Loisy? Il n'y a pas plus d'une demi-heure. Hey, allez, parti par là. Merci. Surveillez les voitures, moi je vais voir.
crois qu'il n'y a personne? Regarde, c'est abandonné. On sera mieux là que sur une route, non? Alors tu vas récupérer la bagnole et tu reviens nous chercher. Oui, je sais, tu parles d'une balade. Cette bague, c'était la mienne. Je l'ai donnée à ma femme le jour de mon arrestation. Vous êtes mon père. Sale traître! Vous êtes venu. Bien tard. Bon, Judex, c'est mon fils, je lui ai pardonné. Où sont les autres? La femme est là. Enfoncez la porte. Deux hommes vous ont conduite chez moi, car ils connaissaient, disaient-ils, mon dévouement à votre famille. Vous déliriez. Ils sont partis sans me donner d'autres explications.
L'un d'eux, le plus jeune, m'a dit être Judex. Judex. Qui êtes-vous? Où est Vallière? N'approchez pas. N'ayez pas peur. Je suis Vallière. Ma fille, pourquoi n'est-elle pas ici? Elle est plus en sécurité à Loisy, où mes hommes veillent sur elle. Vos hommes? Écoutez-moi, je vous en supplie, je ne suis pas votre ennemi, vous le savez. Laissez-moi, vous avez tué mon père. Non, Jacqueline, non, il est vivant. Vivant? Oui, j'ai voulu le tuer. Je pouvais le faire sans éveiller aucun soupçon. Mais je n'ai pas pu. À cause de vous. Le cercueil était vide. Alors, les deux sœurs de charité, avec un cri de rage, se rejetaient en arrière, cependant que la bière s'écroulait sur le sol. « Qui êtes-vous donc ?» hurlait l'une des religieuses, qui brusquement menaçait sa voisine d'un revolver. L'autre sœur de charité, elle aussi, braquait un revolver. « Bas les masques » faisait-elle impérieusement. De leur main gauche, les deux religieuses arrachèrent leurs cornettes. Et c'étaient deux cris de haine qui s'échappaient de leurs lèvres. « Juve !» Fantomas. Mais qu'est-ce que c'est? Monsieur, c'est un gosse qui... toupet, non? Monsieur Coquentin, détective, s'il vous plaît. C'est moi, Monty. Que veux-tu me dire? Cette bonne femme-là, eh bien, c'est la bonne sœur qui avait enlevé la maman d'Alice avec l'ambulance. Même que les vrais infirmiers, quand ils sont revenus au village, ils étaient drôlement amochés. Et puis Alice disait que c'était son institutrice et que Marie-Jeanne, eh ben, elle savait que vous étiez... comment vous êtes déjà? Je suis détective. Ah, moi. Détective? Ah oui. Et puis qu'elle disait que vous étiez détective et que vous avez été au château de la maman d'Alice pendant qu'elle était riche. Oui, écoute, non, vraiment, je ne comprends rien à ton histoire. Non, mais attends, ça c'est Madame Aubry, ça. Et Mademoiselle Verdier. Bah, écoutez, laissez-nous, je vous prie, hein? Oh oui, allez-vous-en. Bon, puis toi, tâche d'être un peu plus clair. Alors, quel rapport y a-t-il entre Mademoiselle Verdier et puis l'enlèvement que tu me racontes? Ben, c'est l'institutrice d'Alice qui était sur la cheminée de Marie-Jeanne. C'est la bonne sœur de l'ambulance qui a enlevé la maman d'Alice après qu'elle soit noyée. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de bonne sœur?
T'es sûre de l'adresse? Puisque je vous dis que c'est Marie-Jeanne qui me l'a dit. J'étais si heureuse avec toi. Pourquoi a-t-il fallu que cette histoire vienne tout gâcher? Mais Diana, tu sais bien que je t'aime toujours. Pour moi, il n'y a rien de changé. Non, c'est fini. Jamais plus je pourrais avoir confiance en toi. Nous pouvons tout recommencer. Nous pouvons oublier tout ça. Laisse-moi. Tu vois donc pas que je suis malheureuse, que je veux plus te voir. Laisse-moi, va-t'en. Va retrouver ton petit papa chéri, puisque tu tiens tant à lui. C'est par mon père que je sais où est Favreau. Et je sais aussi comment arriver jusqu'à lui. C'est elle. À demain, dans la côte des moines. Demain, ma belle, je te prends en filature. Ah, moi aussi. Oui, ben toi, tu te tiendras tranquille et tu resteras chez moi. Ça peut être dangereux. Allez, viens. Si on me suit. Enfin, monsieur, je ne comprends pas. C'est monsieur Coquentin. Puisque monsieur le détective veut avoir des renseignements, on va l'emmener avec nous. Surveille-le, Mora. Je vais planquer la bagnole. Descends.